Bon matin à toutes et tous. Eh bien, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle pour avoir un message de vos défunts. Sachez avant toute chose que vos défunts souhaitent vous transmettre leur message, répondre à vos questions, mais il est impératif que vous compreniez qu'ils ne connaissent pas le futur et qu'ils sont limités dans leurs gestes. Ils ne peuvent donc faire les choses à votre place et sont incapables d'influencer votre vie et celle des autres. Il est aussi très important, lorsque vous considérez que le message ne répond pas à votre question ou que vous ne voulez pas d'une question, eh bien n'interrogez pas le défunt d'une autre façon. Laissez passer du temps et réécoutez la carte que vous avez choisie plus tard. Vous comprendrez peut-être mieux le message. Il est aussi possible, eh bien, que le défunt à qui vous posez la question ne soit pas disponible. S'il n'est pas dans la lumière, il ne peut établir une communication avec vous et est donc dans l'impossibilité de vous répondre. Alors chaque carte est au masculin, c'est pour alléger le texte, n'est-ce pas? Mais le message peut provenir tant d'un homme que d'une femme ou même d'un enfant. Il est aussi très important de ne poser qu'une question à la fois. Soyez clair et précis ou demandez tout simplement quel message tel défunt voudrait que vous receviez présentement. Votre question ne doit pas être axée sur votre vie future. Concentrez-vous en fermant les yeux et quand vous êtes prête, prêt, eh bien posez votre question, soit à voix haute ou dans votre tête, et choisissez eh bien la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Exemple comme question, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as retrouvé des membres de la famille? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu vois tous les efforts que je fais dans ma vie? Es-tu heureux? Heureuse? Qu'est-ce que tu aimerais me dire aujourd'hui? Etc. etc. Eh bien voilà, soyez bien à l'aise pour poser votre question. Et encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Eh bien voilà, je vous retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À très vite. Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Nous entamons une nouvelle semaine. Nous entamons le mois d'août. Nous sommes lundi 5 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors, avant de commencer, ça sera la petite philosophie du matin. Et puis, pour terminer, ça sera le petit oracle des couleurs. Mais avant le petit oracle des couleurs, vous allez recevoir un message d'un de vos défunts. Alors, la petite philosophie du matin, rincer et laver mentalement son esprit à grande eau, comme on lave sa chemise, et se sentir frais et léger. Voilà pour la petite philosophie de ce matin. Alors, bien, vous allez avoir un message d'un de vos défunts. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour poser votre question et choisir votre carte. Entre la 1, la 2
et la 3. Je vous laisse un moment pour choisir votre carte. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien, un de vos défunts, il vient vous dire, ou elle vient vous dire, « Je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. » Cette carte, elle vous indique qu'un être cher a choisi de veiller sur vous. Bien qu'un de vos défunts ne puisse vous éviter une épreuve, n'est-ce pas? Eh bien, celle-ci appartenant à votre destin, il peut, par son énergie, vous aider à vivre plus sereinement un événement difficile. Il est présent pour vous réconforter, pour vous encourager, mais il ne peut interagir avec le monde physique. On vous invite, il vous invite à écouter votre petite voix intérieure ou prêter attention aux gens qui traversent votre chemin lors de ces épreuves. C'est peut-être l'être cher qui tente de vous diriger vers une personne qui pourra vous aider dans cette problématique du moment. Prêtez attention aux sensations physiques. Votre défunt tente peut-être de vous dire qu'il est derrière vous, dans vos énergies, et que vous pouvez parfois le sentir. Si vous vous demandez quelle personne veille sur vous, eh bien, écoutez votre petite voix intérieure. Voilà pour la carte numéro 1. Bien, pour la carte numéro 2, onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Cette carte vous indique que votre défunt est conscient de ce que vous vivez actuellement, même s'il ne voit pas la situation avec ses yeux ou qu'il n'est pas présent sur le plan terrestre, il vous assure que vous pouvez compter sur lui. Il vous envoie des ondes d'énergie positives afin que les choses, eh bien, se présentent mieux dans votre vie. Votre être cher vous fait aussi savoir qu'il a confiance en vous. Vous poursuivrez votre mission de vie et peu importe les embûches. Il vous demande de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Ayez confiance en vous maintenant et sachez que même si vous vous sentez parfois seul, quelqu'un, quelque part, veille sur vous. Voilà un message vraiment d'encouragement positif et d'un grand réconfort pour vous, n'est-ce pas? Servez-vous de ces ondes positives pour y voir plus clair. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines, ou tes
petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là, à l'écouter. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Cette carte vous suggère de parler de vos états d'âme, de vous confier à une personne décédée. Celle-ci vous entend, non pas sur le plan physique, mais bien avec son âme. Pour cet être cher, vous êtes toujours important, et par le biais de ce message, eh bien, il vous invite à lui dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse en vous et ce qui vous ennuie. Et s'il le peut, il vous donnera un conseil. Pourquoi alors ne pas aussi partager vos joies avec lui? Cela lui fera plaisir et lui redonnera de l'énergie. Réservez quelques minutes de votre journée pour communiquer avec cette personne chère. Parlez à voix haute vous permet de rester concentré sur vos paroles, mais vous pouvez aussi le faire intérieurement. Son âme vous comprendra. N'ayez surtout pas peur de la déranger. Si elle vous envoie ce message, eh bien, c'est qu'elle a envie de vous entendre. De très jolis messages, n'est-ce pas? Je termine avec le petit oracle des couleurs. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la couleur lilas et le message « Je suis prête ». Attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour de nouveaux messages de vos défunts. Passez une excellente journée, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à demain.